L'objectif de cette journée, elle est de sensibiliser les agriculteurs à l'érosion et de leur donner des billes, de leur permettre d'avoir une boîte à outils pour préserver leur sol et mettre en place certaines pratiques pour limiter l'érosion chez eux. On est en présence de 150 personnes. Cette journée est organisée par Vivagri, la Chambre d'agriculture, BASE, le lycée agricole et l'UDECUMA. Pour cette journée, on a d'autres partenaires qui sont la Pâte Perche, le GI2E du Perche et puis le SAGE Chartamont. C'est une journée qui a été organisée dans le cadre du projet Érosion que nous menons depuis 3 ans. Donc on a organisé 5 ateliers où tous les partenaires peuvent mettre en pratique leurs compétences au service des agriculteurs pour limiter l'érosion. Nous avons les couverts végétaux, la qualité de l'eau, le simulateur de pluie et une partie diagnostic avec un outil à disposition des agriculteurs pour évaluer leurs pratiques et les profils de sol. On est sur le groupe Projet Érosion et sur la présentation d'un outil qu'on a mis en place à destination des agriculteurs pour estimer le risque d'érosion sur l'exploitation ou sur un îlot ou sur une parcelle. Donc c'est un outil qu'on a voulu très simple, qui permet également de simuler une modification de pratique et qui se fait sur ordinateur en 5-10 minutes avec un tableur Excel très simple. L'outil a été construit de manière à remplir plusieurs sections, une partie sur l'assolement et la rotation sur l'exploitation, une partie sur le sol, sur le travail du sol qui a été mis en place sur l'exploitation, sur la gestion des résidus et des effluents d'élevage. Chaque ligne renseignée donne lieu à une note de 1 à 5, 1 étant favorable à la réduction de l'érosion, 5 favorisant justement l'érosion. La moyenne des notes de chaque ligne va être comptabilisée tout en haut. Donc cette note n'a pas vocation à être comparée entre plusieurs exploitations ou plusieurs types de parcelles. L'idée étant plutôt de voir quelle est l'évolution du risque érosif sur la parcelle ou sur l'exploitation si je modifie telle ou telle pratique. Sur mon cas ici présent, qui est par exemple en semis direct avec des couverts végétaux, j'ai une note de 2,8. Si je voulais encore aujourd'hui faire évoluer et baisser cette note d'érosion, de risque d'érosion, je pourrais éventuellement, par exemple, introduire dans ma rotation des prairies temporaires. Cet outil de diagnostic érosion, c'est un tableur Excel tout simple qui sera mis en ligne sur le site Agri72 prochainement. Il est duplicable, il est libre de droit, vous pouvez le copier, l'enregistrer sur votre ordinateur.